On va arrive. avoir une bagarre là. Je vais me battre. Mêlez-vous pas. Êtes Ouais, pas d'accord. avec lui, tranquille. Vas-y, Allez, s'observe. viens, ma belle. T'as un petit bandage pour moi là? Bah quoi? La vérité, ça fait combien de bandages je te donne? Bah écoute, le cas pas juste me pousser tout à l'heure. Hein. Aïe, ah, les excuses. Bon. Attends, Tu avant qu'on se voit là, c'est quoi? Je Ah oui, non, reviens, ça je te parlerai plus je tard. vais essayer de Tu veux rester me faire comme la dernière fois, c'est ça? un petit peu. Ouais, Quoi, une esquive? Place des claques d'équipe. Tu te rappelles de ça fonctionnait comment ou pas? Je veux dire, un petit agimé, tu te mets en position. Allez, au fighto, tu te donnes tout ce que t'as, d'accord? Oh, ma main droite. Tiens bien. Tiens. Quoi? Attends, j'ai pas compris là. Voilà. Est-ce Oh que putain, t'as l'enculé, entendu sa le mère, petit deux agimé droites. fighto? J'ai Deux pas droites. compris là. Pas Bon, bah coquille. les couilles, c'est la rue, mon gars. Ton La agimé rue, fighto, la tu peux rue, mettre dans la ton vraie. cul. Ok, Voilà. d'accord. Trois Juste droites. une salope. Oh, l'hypergut. Oh, le crochet. Oh, les deux balles en même temps. À Bah, toi les là, nique lui sa mère, allez. Vas-y, vas-y, tu peux le Allez, faire, tu peux Nicolas, le faire. bateau. Encore une? Tu peux le Voilà. faire. Le racaille. Bien joué, bien joué. Attends, deuxième round, allez. Ah non, mais non, mais non, mais c'est la rue comme t'as dit, c'est la On rue. Bat les couilles, c'est deuxième round. Mais c'est la rue comme t'as dit. Attends. La fierté, l'homme prend un coup, hein. Ah, bien joué, les racailles de Shanghai. Et pourtant, ça devient une habitude. Ouais, quoi? Moi, j'ai entendu dire qu'apparemment, les bras, ils vous ont saoulé 5 fois, vous êtes pas armés. Nous, on n'est pas armés, nous. Ouais. On décale ton fight, j'ai même temps. Ouais, ouais, les bras, ils ont dit vous êtes pas armés, vous avez rien. Qui vous ont saoulé 5 fois. La honte, la honte, la honte. Vous êtes génial. Comment on va te baiser? C'est bon, ils sont 2,5 là, ils sont. Qui l'a mis lopé de. Bon, c'est bon, tu vas repartir? Vas-y. Voilà! Débarque! Oh la droite, il est percute! Voilà, bosso! Il se met pas le temps de ravaler sa salive à lui! Vas-y, Cinderou, donne tout! Hey, tu peux le faire, tu peux le faire! Voilà, putain! Oh, t'es bon, le gars. Tellement balas, il était nul, je croyais, il faisait exprès de perdre. Voilà, Karate Kid, boss. Manque de respect à ton père ou à ta mère, la pute, mais viens pas manquer de respect. Oh, bon, répondez pas, les Nakama. Défendre mon honneur. Les Nakama. Je te donne un bandage, nous allons nous battre. C'est parce qu'il a un arrière-goût de la défaite, c'est pour ça. Non, toi non, ça va, ça me plaît. Je te donne un bandage. Je vais défendre mon honneur. Oma. Oui. Ouais, viens, je vais t'enculer, d'accord. Laisse-le, te salue pas les mains, Oma, te salue pas. Voilà, dis-lui, Djibril. T'es qui toi qui vient d'arriver? T'es qui toi? Hein? Moi c'est Djibril, moi. Hein? T'es qui qui est Attends, là c'était gratuit ça. Bon, les marges, vous avez une grande gueule, allez vous battre avec un. Jo, t'as une grande gueule toi, vas-y. Et j'en verrai une trop bonne. C'est quoi dire, Bosso? J'obéis à mon Bosso. Mais moi je suis trop fort, c'est pour ça que je veux pas me battre. Eh, arrête de mentir, arrête de mentir, allez vas-y, va. Bah vas-y. C'était quoi le mot que vous avez donné? Non, mais toi, Rio, viens à place des. C'est chaud à faire un combat avec le Mara. Et toi, tu veux que j'affronte toute la ville, toi, en fait? Voir. Eh, donne-moi un bandage. Vas-y, ping-pong! Des connaissances en chimie qu'on n'a pas. Donne-moi un bandage, donne. Oui! C'est qui m'a appelé ping-pong là? C'est pas chez moi. Vas-y, le nia! Je suis le Poucal, c'est le patron du Béniz. C'est Djibril, le patron du Béniz. Il s'appelle Djibril Salah. Qui a un bandage? Tiens, j'ai. Vas-y, prends-le dans mon sac. C'est pour ça que j'ai du mal, boss. Yuara, viens. Qui, bon souci, t'en plaît, dis mon équipe. Eh, vas-y. Eh, Rio, enlève ta batte. Et va, occupe-toi du mec en face là. C'était lourd de fou. Vas-y, occupe-toi du mec en face. Non, mais attaque. Allez, Rio, tue-le. Putain. Attends, vas-y. Non, mais c'est ça son problème. C'est l'autre Djibala, c'est derrière. Attends, ta mère, va là-bas deux secondes, attends. Quoi, t'as à 3, attends, tranquille, je dis à 3, vous y allez, Ah, par contre, quand c'est toi, c'est Djibala, c'est pas, c'est la rue, hein. Quand c'est toi, c'est la rue, mais quand c'est eux, je compte, les gars. Attends, monsieur, c'est une esquive, c'est bon? Parce que je crois qu'il aura des problèmes de tête, c'est sûr. Vas-y, c'est une esquive, comme j'ai fait l'autre job, vas-y. Ah, Djibril, j'ai juré, tu es avec le feu, toi. Et d'être là. Ça s'appelle Jean-Bol de riz. Ah,
Alors Djibril. Allez, tu le Ryu. Renvoie le Little Tokyo. T'as l'air d'un super esquive, lui. Ah voilà, c'est plus d'enfoiré. Ils finiront. Voilà. À terre. Bien joué. Envoie du Shanghai au sol. Yo Tarek, ça va quoi? C'est pas lui le plus fort aussi. On s'en compte. L'autre là-bas, lui là-bas là. Voilà. Tranquille, on s'appelle. Je sais pas, mais il est là-bas, il est bon. Bon, celui-là, il est vraiment mal à la tête. Lui, c'est horrible, là. Lui, la vérité, on ferait pas ça à Saint-Gilles. C'est quoi ton blague? Là, la casse auto. On mise un peu d'argent sur le grave. Toi, t'aimes trop perdre ton argent, toi. Toi, tu cherches vraiment à perdre toute ta thune, toi. Tu joues trop avec mes couilles, toi. Ah bah écoute, c'est j'ai envie de 3 ans pour moi, non? Et tu vois ce que je veux dire? On verra bien le jour J. On est quel jour aujourd'hui? C'était un beau combat, monsieur. Veux-tu pas le faire ce soir? Ce soir, je vais détruire, j'ai des familles à régler. Ah, pourtant, je vois pas. Et Mara, vous faites quoi, vous, ce soir? Oui, sûr, monsieur. Il est trop fort. Ah, bah, c'est ça. Ok. Bah, en vrai, demain, pas de fond. Vas-y, prévois ça pour demain si tu veux. Demain, c'est quoi? Écoutez, simple, demain, 23h30, on se rejoint tous à la casse. On mise des 100, 200, 300, 500 dollars, 1000 dollars sur nos. Il roulait avec quoi? Un 4x4. Oh! Sans cul en bas! Ah ouais, c'est où? C'est où? Non, il ressort. Spirit Marabunta. Il va remonter Spirit Mara là. Ok, c'est bon en fait, il fait que des descentes et des montées. Il repart vers Mirror là, dans les montagnes. Ok, ils arrivent. Donnez juste des infos où est-ce qu'il est, d'accord? J'arrive aussi. Parlez pas pour rien. Il repart vers les capitaines. Ouais, je le vois. Oh, il a une avec quelqu'un. Les gars, faites attention, moto, ça y est, stop. Il a une avec quelqu'un. Pas des motos adaptées, mais. Faites attention doucement. J'espère juste qu'il se retourne. On est là, on s'en fout. Allez, c'est tout ça. Faut aller dans la montagne. Chez Mirror. Là où il y a un barrage. Non, vraiment montagne, genre au-dessus de Mirror. Avant le barrage. On a des motos de ville, mais bah les couilles. Ah, là il prend le sacré boss. Il va tomber. Descends la montagne. Arrête-toi. Les bas, descendez. Ferme ta gueule, dis pas des trucs comme ça, tu vas prendre des gifs. Là, attendez, j'ai mal. Aïe. Attention. Nakama, prenez-les, descendez de la pente ici parce que ça va nous créer des problèmes. Prenez. Monte la moto. Descendez si vous voulez, moi derrière. On va descendre juste. Vous voyez derrière la petite place où il y a des besoins de construction là? Juste en dessous, venez là-bas. Aïe, c'est toi qui fais mal. Je vais en déchirer. T'inquiète, on va t'en laisser un. Il m'a tamponné comme une key. Venez, donc. Ouais, Adzo. Viens Mirror Park, il y a un petit quartier où il y a des maisons en construction. Venez là-bas et descendez doucement, d'accord? Bon, on va voir ce qui va se passer avec lui. Ramenez sa voiture aussi. On va laisser moto, sinon. Ouais, arrêtez, non, nique sa mère, laissez sa voiture là-bas et ramenez-les sur vos motos, d'accord? Fouillez-les bien, retirez tout ce qu'ils ont sur eux. Ok, et venez là en dessous. On a fait une blague, c'est pour ça que je criais fort. C'était une blague. Une blague très différente de ce qu'on entend. Mais je vous jure, on n'a rien touché. On a clairement rien touché. Me fais pas de mal. Si t'avais rien touché, pourquoi tu... Tamponné comme une kiff, vous avez rien touché. Oh, son téléphone en main là. J'ai déjà pris son téléphone. Il l'a pris. Ok. De l'autre côté, Kaku. Ok. Cool. Ah mais je vous jure, on voulait pas. De base c'était une blague, je vous jure, on a pas touché. Ouais, bah désolé. Non. Je les ai entendus, ils ont dit viens les qui, après il a fait. Non mais je vous jure, on a rien touché. Il a vraiment dit ça? Arrête de jurer. Eh, les Nakama, l'entourez pas comme ça, laissez un peu d'espace. Mettez-vous juste l'un à côté de l'autre là, les. Eh, baissez vos bras. Oh. Vous avez des trucs sur vous? Moi j'irai, monsieur. Ok, vas-y, boss. Bon, juste, donc tu m'expliques, Ikako? Je vais faire un bandage. Ouais, ils sont passés et j'ai cru les avoir entendus. Ah, viens, on les qui, et hop, ils sont tamponnés nos motos. Alors, ils ont pris la fuite.
Non, donc, le donc, donc là, quoi, c'est quoi? On est liquide là pour vous? C'est une partie bowling là que vous allez faire? C'est comment là? Vous m'expliquez? Monsieur. Nous, on est là, des personnes là que vous pouvez renverser comme ça là. Du tout, monsieur. Non, monsieur, je vous jure. Mais tu vois, le truc c'est que je pense que tu l'aurais pas fait si tu savais vraiment qui on était. Dites-moi, monsieur, moi je vous connais pas. Les Nagama, ils méritent une démonstration, non? Pourquoi faire ça? Si tu ne connaissais pas, pourquoi faire ça alors? On vous a payé pour faire ça! Mais bien sûr que non, mais qui a payé? Moi je suis la pite à personne. Tiens, du calme. Vous avez voulu faire ça comme ça. Tu dis que t'es payé la pute à personne et pourtant t'assumes pas ce que tu viens de faire. La vérité c'est que. Si, mais justement, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui étais au volant. Mais. Pourquoi t'as fait ça? Parce qu'il me l'a dit. Ah! Comment tu t'appelles toi, le pack là? Moi, c'était une blague, c'était pour ça que j'étais en train de. T'appelles comment? On m'appelle Kader. Kader, et toi là? Il a pas dit on t'appelle comment, il a dit comment tu t'appelles. Oh, fermez-la là, je vais te poser une question, tu réponds juste à ma question, et c'est pas besoin de tes conseils, tes phrases, tout ça, d'accord? Mais ce qui vient. Tes cheveux bleus là, tu t'appelles comment? Moi, c'est Charlie, ouais. Charlie. Donc, on a Kader et Charlie. Deux mecs qui nous prennent pour des rigolos comme ça là, qui viennent, qui pas nous. Pas du tout, monsieur. Qui nous rentrent. Ferme ta gueule. Qui nous rentrent dedans. Et vole le véhicule à leur patron aussi. Je rigolais pas, je pleurais. Bon, ferme ta gueule. Donc ils sont là, ils nous voient. L'as des cubes, et la première chose qui leur passe par la tête, c'est quoi les Nakama? C'est venir, on le rentre dedans, on les quitte. C'est dit, tu aurais jamais fait ça si tu savais qui on était vraiment. Et je te dis tout de suite, on compte te donner un avant-goût, d'accord? Il y a écrit quoi derrière moi là? Il y a écrit quoi sur mon dos? Anaki Oni. Au moins tu sais lire. Tu sais qui on est? Je veux bien savoir. Oui. Kenshin, va lui passer un message. Je veux bien savoir à l'oral qui vous êtes. Non. Mais si, dis-moi si vous voulez. On est des putains de japonais. Et des putains de japonais qui vont démarrer, t'as compris? Là, y'a pas besoin de violence, monsieur. Une moto là. Je t'envoie une position. Ouais, je veux bien. Aïe! Là dans le mail. Moi j'ai rien fait. Vous voulez que je vous apprenne un jeu? Non, moi j'aime pas qu'on se foute de notre gueule comme ça. Du coup, toi là, j'ai bien compris. Oui. Alors, je plante qui? Dis-moi. Putain. Ouais, les Nakama. Dis-moi, à votre avis, c'est celui-là qui a donné l'idée qui devrait être puni ou celui-là qui a agi qui devrait être puni? Celui-là qui a agi, parce qu'il est con d'avoir écouté un mec. Celui qui a dit. Ah non, il y en a juste un des deux qui sera puni ce soir, pas les deux. L'acte ne valent que par leur action. Il n'était pas maître de son véhicule, pas maître de ses pensées. Donc c'est toi qui te souvenais qui t'es fait renverser, non? On va te laisser toi-même le punir alors. Kenshin, laisse Kitsune prendre un peu de plaisir. Il s'est fait percuter par le véhicule. Donne-lui le couteau. Kitsune, prends ce couteau. Mais sauf que c'est... Non. Merde. Tiens. Je l'ai ramassé, désolé. Oh non, parfait. Du coup, c'est quand même Kader qui va choisir qui va se faire planter. Soit il va défendre son pote, soit il va faire la pute et lâcher son pote. C'est ça qui me fait rire. Pourquoi t'as fait ça? Si tu veux pas le voir mourir. Lui qui conduisait, c'est ça les. Je vais juste le blesser. Laissez-le prendre son avis, laissez-le. Juste le blesser. Et ma moto elle a pris mal. Pour amener $1000 pour pas que je lui ôte la vie, c'est bon? $1000? Ce sera juste une blessure, $1000. Ok. J'ai 800, tiens, j'ai de l'argent, tiens. Prochaine fois. J'ai $100 sur moi, Missy. Bah les couilles. La prochaine fois, reste retourné. Moi je les veux bien. Tiens. La prochaine fois, qu'on te dit quelque chose. Oh la boss. Soit maître de tes pensées, soit maître de tes actes et de tes gestes. Maintenant il faut assumer. Ok. J'ai pris la suite directe. Allez-y. Oh, dans la ducolaire. Bien ce camarade sur moi. D'accord. Ouais, désolé encore. Donner l'argent ou pas? Ah, il a donné.
Ouais, c'est le conseil de l'emmener vite à l'hôpital, d'accord. Et Kader, elle est imbécile. Oui. Non, fais pression sur sa blessure et appelle les médecins. Comment ça? T'inquiète, il a pas été blessé profondément, il a été éraflé. Je crois que je vais mourir. Ça saigne beaucoup. Plus de fragile, va. Y'en a, ils ont pris pire, ils sont encore en vie, tu sais. Bon, il y en a qui avancent barre d'ici, là. C'est vrai qu'il y en a qui sont en vie. En vrai, c'est de merde, là. Tes affaires, téléphone. Après, encore désolé, c'était pas volontaire, putain, je connais avec un abruti. Prenez pas votre temps avec eux, on y va. Ah, ils ont dû contourner par là, hein. Vous êtes où, hein? Ça va être envoyé la position, ouais. Il y a des flics. Oh, il a. Mets-toi vers l'aéroport, ouais. Il y a des flics au LS Custom à côté de l'aéroport. Coupez vos feux et tout, alors ne nous suivez pas. En fait, les Nakamas, je vous ai dit de pas ramener les keufs. Si vous voulez qu'il y ait des keufs sur vous, ça sert à rien de venir en fait. On voulait les Families bien avant que tu sois avec les Balas. T'as pas reçu un Colorado de Families il y a 20 minutes, non? Ou 30 minutes? Comme qu'on le suivait? Ah non, je sais pas, ouais, il a cru, mais il a pas dit que vous suivez vraiment. Bah, voilà. Ah, les keufs sont repartis. Faut quand même attention. Le mec. Yo. Quelqu'un a mangé? Non, non, j'ai pas. Bien. Quelqu'un a mangé pour moi? Alors. Ah ben, merde. Ah, ça se demande, je suis. Menu que j'ai volé dans le coffre des Balas. Là. Bébé, qui suis nous? Il t'a tapé retour, il était alors, on n'attend pas Patrick. Tu t'appelles comment? Mettez vos positions, Momoto, position prête à partir par la mer, d'accord? Possible qu'en face, vous savez pas faire demi-tour. Bon, il manque qui encore là? Éteins tes feux. Moi, Kobora et Bubble qui en arrive. On est sur la plage. Longez sur le côté de la plage, il n'y a personne que je vais voir dans l'aéroport. Bravo Kinshin. Derrière toi Kinshin, hein. Bon. Ouais, mais il est de l'autre côté du grillage lui. Ah mais il peut, reviens. Ah ouais. Ah ouais Bubble Tea. Ah ouais Bubble Tea. Tu sais quoi? Elle s'est fait dans Harry Potter, elle a fait tout droit dans le grillage. Mafia stunting là. Oh, t'as mettez vos motos prêts à partir, d'accord? Mets ton masque, toi. Moi, t'es un petit. Le fan. T'es où? Moi, je suis un lieutenant. Lieutenant, commandant. Police? Pas tout? Ouais, c'est ça. Je suis le lieutenant des, en gros, des Families, c'est un grade assez haut. Mais je suis de retour depuis hier. Pas tout, okay, tu m'entends? Okay. Parfait. Ça me dérange, ça peut que tu sois de retour depuis hier. Mon ref, là, ici. Radio, rien comme ça, mais. Donc, t'es pas trop au courant de ce qui s'est passé récemment? Très très peu. Je te dis, je suis revenu hier, là. Après une longue absence. Que... Donc, tu n'auras pas de réponse à mes questions. C'est-à-dire? Après, peut-être, hein. Dis-moi. Les Families t'ont peut-être mis à jour. T'ont peut-être informé de certaines choses. Moi, j'ai des questions. Et j'aimerais avoir des réponses. Vas-y, je t'écoute. Quelles sont les zones que vous revendiquez exactement? Del Perro, Roquefort, rue Marchande, et voilà. Bien. Tu peux parler plus fort, s'il te plaît? Ouais, excuse-moi. Vous avez d'autres gens qui vendent dans ces zones? D'autres gens? Bah, je sais que pendant un moment, j'ai entendu parler comme quoi vous vendez un peu à Del Perro, mais comme quoi ça a été réglé avec un de chez vous. Et c'est tout. C'est-à-dire? Vous voulez m'en dire plus? Bah, je sais plus, je crois que c'était Del Perro. J'ai entendu, moi j'étais pas là. Comme quoi, il y avait des gars de chez vous qui vendaient là-bas. Comment ça? De quoi? Quand est-ce qu'ils vendaient? Ils vendaient, bah c'était hier. Au niveau de Del Perro. Et qui a vendu?
Ouais, après, je pourrais pas te dire exactement. Moi, je te dis, j'ai pas tout suivi. D'accord. Mais je crois que c'est un de chez vous. Et comment ils savent que c'est un de chez nous? Entre guillemets, comment ils peuvent dire que c'est un de chez nous? Ouais, franchement, je peux pas te dire. D'accord. Je sais pas si on vous a vu ou pas. Franchement, je peux pas te dire. Si tu l'as vu, t'as été le voir, là, l'individu. Quelqu'un qui vend dans vos zones, je suppose que ça vous plaît pas, non? Ouais, bah, bien sûr. Mais pourquoi vous avez pas été l'attrapé ce jour-là? Putain, franchement, si tu me poses des questions, je suis de retour hier, je t'avoue que. Je pourrais pas répondre à tout bien. D'accord. C'est ça le problème, justement, quand je disais que t'allais peut-être pas avoir de réponse à mes questions. Écoute, je te fais un petit topo. Tes enculés là, de Families, là, qu'est-ce qu'ils ont été faire? Ils ont été capturer un de mes gars hier, ils l'ont planté, t'as compris? La raison, à ce qui paraît, un de chez nous aurait vendu là-bas. J'ai ordonné mes gars à ne pas vendre dans les territoires qui nous appartiennent pas. Et de ce que j'ai compris, à ce qui paraît, il y aurait quelqu'un de chez moi, tu vois, qui aurait vendu chez vous. Maintenant, quand j'ai demandé qui vendait chez vous, on m'a commencé à me parler chinois. J'ai demandé une preuve, une photo, n'importe quoi. Je suppose que ça vous plaît pas. Vous prenez en photo ou bien vous le chopez, non? Ouais, bien sûr. Au final, on ne m'a rien présenté. Donc, en fait, vous prenez pour un con. Vous me racontez de la merde. Après, je vais pas te mentir, moi j'ai pas toutes les infos. Mais dans ce cas-là, après, on fait pas un rendez-vous tous avec mon OG et tout. Et lui pourra plus te dire, tu vois. En fait, quoi? Vous voyez un Asiatique, vous dites c'est tous les mêmes, c'est ça? Non, clairement pas. Donc, moi je vais voir un afro vendre, je vais dire d'office, c'est quoi? C'est obligé un Families? C'est obligé un Badass? C'est obligé un. Un broker? Non, après je te dis, hein, je sais pas, moi ça se trouve, il y a des mecs qui vous ont vu ou pas, tu vois, je peux pas te répondre, je peux pas te dire oui ni non, je sais pas. Maintenant je vais te dire quelque chose. Tes gars, hier quand ils ont chopé mon gars, d'accord? Ouais. Est-ce qu'ils ont cherché à me voir pour en discuter ou ils ont réglé le problème sur le côté? Ouais, ils ont réglé le problème tout seul. Pour quelle raison? Bah, c'est les décisions des grands, hein, c'est les l'OG et tout. Hein. Ils sont pas ouverts à la conversation, moi, je vois pas pourquoi moi je le serais. Moi je perds mon temps à discuter, à perdre mon temps. Si eux en face ils ont pris l'initiative de, on va dire, nettoyer les problèmes. Oh ouais, non mais je comprends ton point de vue. Bah, je vais réfléchir à ce que je vais faire de toi alors. Je vais faire passer aussi un message. Ils ont voulu faire passer un message hier, non ma radio est coupée. On va te faire passer aussi un message et bon, en espérant que tu transmettes bien le message. Bah y'a la Lespidi là-bas pour ce moment. Où? Ouais, au bout de la plage là, ils nous ont vus. Il a sûrement dû avoir un hélico ou quoi. Attends. Il y a des jumelles à me passer. Moi. On les voit plus trop là. Et je vois rien. J'ai vu rentrer dans le buisson, mais là je les vois plus. Un 4x4. Il y a une moto qui va et qui va regarder. Tu veux que j'aille regarder, Bossou? Et moi je les vois quand. Ah, rapprochez-vous pour les voir. Rapprochez-vous. Ah ouais, on les voit là. J'attends les renforts. Mais il y a une voiture de flic, non? Ouais, faut pas dire avant que tu t'appelles les renforts. Bon, ils sont sûrement en train d'appeler des gens. On va se barrer, d'accord? Prenez-le et on se casse. Ouais, là pour l'instant il y a qu'une voiture. Ouais. Allez, prenez-le, on se barre tout de suite. Et Kama, semez-les, quoi qu'il arrive, d'accord? Je vais. Devant eux. Je vais essayer de les occuper, ok? Et partez. Allez. Je savais que vous étiez des voyeurs, vous. Allez, on se barre. C'est bon, Kitsune? Ouais, je l'avais vu en bas, moi. Arigato gozaimasu. Ah, alors je suis pas trop vif. Si. C'est tout pris. Je veux ouais, tout à fait, mais deux je gars pas sur le toit, encore. D'accord, en train de surveiller. Et personne qui soit visible de la route, d'accord? Ah, vous deux, vous êtes visibles de la route, tous les deux, là. Mettez-vous discrètement d'un côté et garez vos motos un peu plus derrière. C'est la moto de Kaku. Tiens. Moto, elle est garée, là. C'est une montagne. Il y a deux personnes sur le toit, c'est bon? Ah, moi, je suis sur le toit, là. Il y en a encore une qui a des jumelles, ceux qui ont des jumelles, allez guetter. Une autre personne qui va avec qui au guetter? Bon bah tu me dois un bandage. Tu vas Kitsune? Aïe.
Allez, gâteau. C'est pas du tout parce que je me suis pris le grillage. Hein. Bon. Yomi, t'es où? On va pouvoir continuer donc. Je suis comment maintenant? Parce que tu vois, la méthode. Moi, j'aime bien discuter, prendre mon temps, un peu comprendre ce qui se passe, tu vois. Mais le truc, c'est que. Et alors? Bah, après, moi, que je dis, comme je t'ai dit, hein. Après, le mieux, c'est un rendez-vous. Après, si tu veux pas, bah, tu sais très bien, si tu me fais quelque chose derrière, il y aura des répercussions, etc., quoi. D'accord. Hier, vous avez fait quelque chose d'un méga. Bah, voici des répercussions, j'ai envie de dire, non? Ouais, ouais, non, mais après, comme je t'ai dit, je comprends ton point de vue aussi. Après, d'accord. Je te laisse choisir. Mais choisir quoi? Je t'écoute. La bonne décision. D'accord. Et bah, la donc, bonne décision, donc, c'est de te frapper. Ouais, hein. Donc, entre guillemets, tu me dis que. À moi de choisir la bonne décision. Ouais, la décision, parler. Est-ce que peut-être arranger ça. Ok, vous avez pris la bonne décision hier en plantant mon Akama. Une voiture, non, je sais pas, pas le contraire. Eh hey, Ryo, casse-toi, fais en sorte qu'on ne te voie pas, d'accord? Donc, dis, hier, vous n'avez pas décidé de prendre la bonne décision. Et c'est à moi de la prendre maintenant, en fait. Bah, là, c'est vraiment hein. Prendre les gens pour des cons, en fait. Non, pour hier, je te cache pas, c'était peut-être pas la bonne décision. Moi, je te dis, je l'ai pas pris, je suis arrivé à la fin. Je connais pas toutes les infos de pourquoi ça a été fait exactement, tu vois. Donc, je peux pas te dire plus. Après, je te dis, ceux qui peuvent dire plus, bah, c'est les grands qui étaient là. D'accord. Ok. Après, tu vois, je suis pas trop fan des mimiques, moi, tu vois. J'aime pas quand quelqu'un fait quelque chose, je lui dis bah je lui rends l'appareil, je fais la même. J'aime bien innover. Tu vois ce que je veux dire? Hier mon gars il a pris un coup de couteau. Ouais. Une batte? Qu'est-ce qu'on pourrait lui faire les Nakama? Moi j'ai une idée Bosso. Ouais, en vérité j'ai envie de lui... Tu vois là, il y a un sport qui est connu aux États-Unis, ça s'appelle le baseball. Ah, trop facile. Ouais mais... Je veux le déguiser en balade. Très humiliant. Ah. Est-ce qu'il y aurait plus humiliant que du déguisement quand même? Ils ont envie qu'il n'a plus mal. Enfin, pas lui précisément, mais ils ont quand même planté l'un des nôtres. Ouais, je suis d'accord. Et celui-là qui a été planté, tu penses que c'est lui qui a vendu? Absolument pas. Je pense que c'est à lui de faire... Est-ce qu'il est là, notre petit... Petit coréen, tu es là. Il est pas là. Voilà, c'est dommage, bah on va devoir prendre une décision à sa place. On va le faire danser. Aïe, aïe, aïe. On va faire un vote. Est-ce que vous préférez le ridiculiser ou vous préférez l'entendre crier? Vous avez envie de voir... Qui a envie de le voir ridiculiser? D'accord. Qui a envie de le voir crier? Moi aussi, ok. On va recommencer parce qu'il faut se décider, vous votez qu'une seule fois. Qui a envie de le voir ridiculiser? Levez les bras. En fait, donc il y a une personne. Et donc tout le reste, vous voulez le voir crier? Non. Wow. Exactement. Ouais. Ok, d'accord. Bah écoutez. Tu t'as pas envie de le frapper? Ouais, moi c'est Swo. Hmm? Swo. Swo. C'est écrit comment ça? S-W-O. Ah, Swo. Ok, Swo. Ouais. Un nom de coréen, ça. Non. Ça ressemble. Bon. Soit. Vous nous laissez pas trop le choix. Maintenant, écoute. Je veux bien t'épargner. On va dire de t'éventrer. Ou de peut-être commettre, on va dire, comme tu dis, une erreur. Hein, de prendre une mauvaise décision. Mais en échange, j'aimerais, on va dire, pouvoir nous permettre de vendre sur une de vos zones. Est-ce que tu penses que ce serait faisable? Non. Pour quelle raison? Bah, je te réponds que je pense que non. Surtout pas comment ça se passe maintenant, si d'après ce que j'ai compris, vous comptez me tabasser. Clairement, non. Il a pas compris, lui, je pense. On va faire la discussion, tu sais. Ouais, je te dis, mais je peux pas prendre la décision seul. Ces décisions-là, faut le voir avec Logi. Et justement, je demandais ton avis. Tu penses que. En ouvrant les négociations, il pourrait y avoir un terrain d'entente ou pas? Ça peut être possible, je te dis, l'Oji est ouvert à toute discussion. Mais je peux pas prendre de décision à sa place. Ah. Ah. Désolé, ça me démangeait. C'était encore lui a dit hier que l'Oji était aussi. Bosso était ouvert aux discussions. En fait, il est ouvert à la discussion, mais quand ça l'arrange, ouais. Donc, en fait, hier, vous étiez en position de force. Et donc, aujourd'hui, malheureusement, tu es en position de faiblesse. Voilà, bon, Nakama. La vérité, j'en ai marre de me saler les mains pour les autres. Faites-en ce que vous voulez. Et tu feras passer un message donc à tes familles, hein.
En leur disant, bah écoute, tout c'est un gars, notre clic. Mais c'est la suite, les Nakama. Attendez, 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 attendez. Les gros, tu verras qu'on est partout seul. Des trucs comme ça, putain. Pardon. T'es le seul à dire. Attendez, attendez. Là, pour l'instant, on est en écran. Est-ce que ça vous dit de me faire faire un petit tour en moto attaché à une corde? Attaché à une corde, comme on dit à l'ancienne. J'ai juste envie de le planter, pas de mentir. Non, on va le tuer. Bon, allez, on lui baisse sa mère. Non, non, non. C'est vrai que son idée était pas mal. Vas-y, ah ouais, il va courir, hein. Il va pas mourir, il va courir. J'aurais dû enfiler un truc, les BMF m'ont appelé pour un rendez-vous. Non, je parlais bien. Bon, on va le traîner par la corde, hein, comme tu l'as dit. On va le déshabiller, il va courir chez les balas. Okay. Ah, vous êtes sûr? Ok, ok, pas de soucis. Yuzi, Yuzi. Oui, ça, y'a pas de soucis. Yuzi, on a pas de gun. Là, ce soir, ils viennent avec des guns, ils nous tirent dessus. On est tous coma, on n'a pas d'armes. Le seul qui a un gun, c'est moi, on a un seul Beretta. On vient de commencer le projet, donc comprends-nous qu'on essaie juste de s'adapter pour, entre guillemets... On sait qu'ils vont nous taper, mais s'ils viennent avec du couteau ou des poings, d'accord. Mais s'ils viennent avec des pistolets, frérot, on est arrivé quand même pas depuis une semaine. On peut rien faire. On peut rien faire. On n'a pas de gun. Qui a une corde? On est dans mon pack. Non, non. En plein, passe-moi ça. Toi, allonge-toi. Prends-le par derrière la moto et à tout moment, tu l'accroches la corde à ton pied et tu le jettes par la moto, d'accord. En plan, attends, je vais t'attacher les deux pieds. Un bon nœud de 8 à l'ancienne. Oh, plan. Regarde, je le soulève là un peu. Et voilà. Du coup, c'est qui se charge de le traîner? Je vais le traîner moi-même, personnellement. Ok, bah tiens, la corde. Où je vais la tenir? Ça met ma tête. Attends, là, je le traîne par terre. La traîne à la moto. T'as la pro, la GoPro. Lève les mains. On doit y frotter le sol, c'est moche à voir. Reculez, allez préparez-vous à partir là. Ah ouais, ma moto. Ah non, c'est pas mal. Il fait faire les 100 mètres ou les 1 km? Je vais voir, en tout cas je vais appeler de vitesse. Allez monte. Putain, j'ai envie de te frapper. Laisse. Attends, je galère un peu à monter là. Laisse-le. Il va monter lui-même et accrocher à la corde. Monte, Soho. Allez, prends ta moto. Bon, Soho, fais pas le con. Oh, tu sais, tu vas juste un peu traîner et goûter le béton. Fais pas le con. Est-ce que vous avez fait le con hier en pas? En plantant un de mes gars? Fais pas le con. C'est bon, c'est bon, je suis descendu. T'es en train de me dire de pas faire le con alors qu'hier vous avez fait le con, je comprends pas. Ah, imagine, c'est notre je dis, je fais pas le con. Sur un grand, il va y avoir des répercussions. Aucune. D'accord. C'est pas ce que je veux. C'est pas ce que tu veux, pourtant c'est ce qu'ils ont voulu hier. Vas-y, arrête là, arrête, putain. En fait, ma mère, j'ai eu peur. Allez, zigzag! J'aurais ta peau, fils de. On va le déposer devant chez eux. Est-ce qu'on peut la corde ici? Allez, on se barre, Nakama. Il y a un accident.